Everybody, let's get started. Just because otherwise we won't have time for everything, and we really want to get the presentation through because it's super interesting. So thank you everyone for joining us today and on this session about these super creative implementations. Merci à tous d'être là pour cette session de DHISE. Nous allons voir les analyses longitudinales pour le programme DHIS2. Donc, vous pouvez aller voir les résumés sur la communauté de pratique. Cette session est enregistrée et vous pouvez poser des questions dans le chat. Nous allons essayer de suivre avec vous dans le chat pour voir ce qu'il en est. Donc, nous allons transcrire plusieurs parties sur la communauté de pratique et nous allons répondre à plusieurs questions. Donc, vous verrez plusieurs discussions là-bas. Vous avez le lien et vous pouvez venir ici très rapidement. Nous allons bientôt commencer. Donc, nous allons commencer. Comme cela a été mentionné dans la session plénière, depuis 2017, l'équipe de l'Université d'Oslo a commencé à développer des programmes d'implémentation dans plusieurs pays. Il y a eu une publication de séries de données, métadonnées, et en matière de VIH, il y a le package de configuration du VIH qui est disponible, qu'on appelle co-package, parce que c'est un package agrégé. Il y a plusieurs informations qui permet à tout le monde de pouvoir suivre ce dont il est question. Donc, merci à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire le package. Nous allons parler de l'implémentation du package VIH dans 27 pays, dont 4 pays sous-développés. Pour un petit aperçu, d'abord, nous allons parler du rapport STOCK du VIH, parce que DHIS2 est maintenant utilisé par plusieurs laboratoires et qui collecte les données. Et aussi, l'OMS a donné son soutien pour nous permettre aussi de pouvoir prendre des données au niveau des établissements. Aussi, nous savons que les programmes sont très complexes dans nos pays et ce n'est pas très facile de prendre les données, même avec DHIS2. Donc, nous travaillons toujours avec l'OMS pour le tracker des surveillances basé sur le cas de VIH. Donc, nous sommes toujours en train de travailler, toujours, très bientôt, nous allons commencer. Et si certains pays sont intéressés pour des propositions, ils peuvent nous en faire part. Pour aujourd'hui, ça a été divisé en deux parties. Les deux premières va se concentrer sur des stratégies d'adaptation des trackers DHIS2 pour pouvoir suivre les programmes de VIH. Donc, ce sera fait par Keshab Deba. Et ensuite, nous allons voir l'utilisation des données et la suivi et son application en général. Ensuite, il y aura David Nissa,
David Nesbitt, qui va nous parler de l'adaptation d'un ensemble de métadonnées standards, DHS2, et même des manifestations post-vaccinales indésirables. Ensuite, nous allons aborder la question du Mozambique et du Zimbabwe, où Jenny Mwanza nous fera une très bonne explication, une bonne présentation. Et aussi, il y a Neni Lungu, notre collaborateur au Malawi, qui va aussi nous partager un programme destiné aux adolescents et aux jeunes filles dans son pays. Donc, je vais laisser la parole au premier orateur. Okay. Hello, everyone. I'm Keshav Deuba, working as a strategic information specialist at National Center for AIDS and STD Control in Nepal. And I'm pleased to present on behalf of my... Pour moi, un honneur de faire cette présentation. Et le thème de ma présentation, c'est l'utilisation de DIH2 pour l'implémentation et la livraison des services dans le traitement du VIH-SIDA. Alors, je vous présente le concept de l'approche DIH2. Comment est-ce que la livraison des services se fait? En addition, je vais expliquer comment est-ce que nous pouvons voir un indicateur et tous ces aspects. Comment est-ce que nous utilisons les données pour traquer et mettre en place les données pour pouvoir avoir un bon retour? Alors, c'est quoi cette approche dans le traitement du VIH? Alors, cette approche est mise en place pour pouvoir faire un traitement du VIH-SIDA et voir l'efficacité de ce système. Et cette approche est une approche globale qui est en train d'aller d'un niveau à un autre niveau supérieur. Alors, cela traite avec les différents niveaux de services en maintenant une relation avec le système de santé publique, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons simplifier les services de traitement de VIH, c'est-à-dire l'amélioration du système de santé est plus important. Alors, réduire les mesures restrictives sur le système de santé. Alors, ces clients, ces patients, alors, qui se donnent dans ce genre de pratiques, ont besoin souvent de s'adonner à des mesures fréquentes. Alors, pour pouvoir mettre en place cela, ça n'a pas été facile à cause des défis suivants. Par exemple, comme les limites, les ressources limitées dans plusieurs pays, nous avons également eu à utiliser les enregistrements sur papier qui a été difficile par moment, qui ne nous a pas permis d'atteindre le niveau donné. Alors, à ce niveau, on n'a pas également pu suivre plus de près certains traitements à certains niveaux. Alors, pour pouvoir pallier à tous ces défis et s'assurer de l'implémentation de DIH2 dans le traitement du VIH-SIDA, alors, dans tous les services, nous essayons de mettre en place des systèmes de registre basés sur le papier et nous assurer de l'implémentation du système de traitement du VIH2. Nous avons eu à mettre en place le tracker VIH2 depuis 2017 dans tous les centres de traitement du VIH-SIDA. Et cela nous permet de surveiller et de réduire au minimum les risques liés à cette thérapie. Alors, notre objectif principal dans ce système, c'est comment est-ce que nous pouvons identifier les patients, les clients qui ont des cas d'urgence et voir comment est-ce que nous pouvons pallier à leurs problèmes. Alors, de façon générale, pour pouvoir coordonner ce service, nous avons sélectionné ces indicateurs et nous avons mis en place des cibles qui nous permettent d'atteindre facilement nos objectifs. Alors, pour les indicateurs, nous voyons les différents indicateurs qui ont été
mise en place selon le niveau d'atteinte de la population qui a été défini. Même des fois, lorsque nous n'arrivons pas à atteindre ce niveau, nous essayons toujours de mettre en place un système, un mécanisme qui atteint plus et voir en quoi est-ce que nous pouvons dispenser les soins, les pratiques et faire une suppression virologique, mettre en place le système de gestion des antirétroviraux. Alors, nous voyons ici comment est-ce que nous pouvons calculer le pourcentage des patients. Voilà les indicateurs que nous prenons en charge. Alors, je ne vais pas aller en détail dans cela. Alors, si les gens veulent utiliser cela dans leur pays pour pouvoir suivre tous ces systèmes, ils peuvent le faire. Alors, voici la définition. Alors, comment est-ce que nous mettons en place ces objectifs? Les patients qui sont transférés, les patients qui sont maintenus pour des soins. Alors, tout ceci, c'est juste pour des références. Et quelle est la cible? Comment est-ce que nous pouvons mettre en place? Alors, le troisième indicateur sont les pratiques dans notre dispensation, c'est-à-dire mettre en place des indicateurs. Alors, des indicateurs un peu rusés, alors qui couvrent plusieurs facteurs, c'est-à-dire voir le pourcentage des adultes et des enfants qui sont à ce niveau, bien qu'ils utilisent tant la thérapie naturelle ou bien les antirétroviraux. Alors, nous essayons de travailler en collaboration avec les systèmes de santé. Alors, voici la cible également pour la suppression virologique. Nous avons quelques cibles divisées en plusieurs niveaux. Alors, pour avoir de bons résultats, voir les enfants au moins de 2 ans, alors notre cible, c'est d'atteindre plus de 10%, et maintenant pour les enfants de plus de 2 ans, d'atteindre plus de 85%. Alors, de façon similaire également, nous avons essayé de définir alors, comment est-ce que les ARV aussi peuvent aider dans le traitement du VIH-SIDA. Je vais voir comment est-ce que ça marche sur le site. Alors, nous avons plusieurs centres. Nous avons également plusieurs sites qui ont été mis en place. Alors, il y a certains sites qui sont déjà efficaces, opérationnels pendant longtemps. Voir les indicateurs de façon différente. Alors, pour cette plateforme, nous avons divisé cela en plusieurs groupes, 7 groupes, c'est-à-dire, alors, groupe A, c'est le traitement de moins d'un an. Alors, le groupe juste à aller, c'est-à-dire au groupe G, le traitement de plus de 6 ans. Alors, nous voyons comment est-ce que les traitements se font au cours de ces différentes périodes et comment est-ce que les répercussions sont préventives. Alors, voici comment nous enregistrons les données. Vous voyez un exemple ici. Chaque patient, alors, a un tracker qui l'enregistre, qui fait son suivi de façon propice et bien ordonnée, c'est-à-dire la date d'enregistrement, ainsi donc le niveau virologique. Ainsi donc, nous voyons ce qui concerne les patients. Et chaque patient est enregistré de façon suivante et met en place des indicateurs qui permettent de le retrouver facilement dans le système et savoir quel genre de pratique lui adapter. Alors, le cinquième indicateur, c'est-à-dire pour le stock des ARV, alors pour voir l'implémentation de ce système, nous essayons de mettre en place un formulaire qui décide de voir est-ce que la personne a su le traitement pendant longtemps ou pas, combien de jours ils ont expérimenté cela. Alors, c'est le moyen par lequel nous décidons de mettre en place ce système des indicateurs. Alors, sur la base de cet enregistrement, les systèmes de traitement de VIH à plusieurs niveaux, alors les différents indicateurs que nous avons, tous travaillent en collaboration avec l'OMS. Voici un exemple. Vous voyez ce système d'information de tracker, alors qui collabore avec ISP, HISP and le pivot. C'est eux qui décident et configurent les systèmes à différents niveaux. Nous sommes tous
en collaboration avec ces différents programmes où les gens peuvent cliquer sur le lien et accéder aux différents programmes. Voici un exemple de comment les indicateurs de soins et ainsi de suite peuvent être définis, et voir comment est-ce que certaines personnes qui sont affectées à l'unité de soins intensifs à différentes provinces peuvent être surveillées tant au niveau des différents sites, au niveau des différentes régions. Alors, nous voyons également le tableau de bord au niveau des sites, comment est-ce que les données de façon rassemblée peuvent être mises en place dans le système, puisque cela n'a pas été possible de présenter tout cela d'un seul coup. Nous avons décidé de développer, c'est-à-dire une liste de rapports en ligne où est-ce que nous pouvons identifier les individus ayant des traits de santé particuliers répondant aux différents traitements, comment est-ce que les pratiques sont disposées. Alors, maintenant, je vais présenter comment est-ce que nous pouvons utiliser DHIS2, son tracker, pour l'évidence des réponses dans la prévention des systèmes d'urgence. Alors, le premier indicateur, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une réaction à temps, c'est-à-dire contacter immédiatement le client pour pouvoir venir récupérer ses médicaments. Et qu'est-ce que nous faisons par cela? Nous devons nous assurer qu'il a les médicaments à temps. Alors, dans la rétention, dans le système de santé, alors qu'est-ce que nous faisons à ce niveau? Nous essayons également de contacter le client, de les conseiller. Ils n'ont pas besoin de voyager tout le temps pour pouvoir être dans cette mouvance. Alors, pour les pratiques à mettre en place, les gens là peuvent facilement identifier les différents centres proches de leur domicile et nous pouvons également les guider pour savoir qu'ils sont bien en place dans les différents systèmes mis en place. Alors, puis la suppression virologique, les clients qui n'ont plus de charge virologique peuvent être dirigés vers d'autres cliniques pour l'évaluation de leur système de santé. Également pour la gestion du stock des ARV, nous avons des alertes au niveau des provinces, au niveau fédéral. En ce qui concerne le corps de métier de la santé, pour voir comment est-ce que nous pouvons pallier à la gestion des ARV, comment est-ce que nous pouvons transférer rapidement les ARV de façon urgente pour des situations critiques. Alors, voici quelques exemples dans le système différent que nous pouvons mettre en place pour pouvoir donner une réponse à temps. Alors, c'est un exemple que nous pouvons utiliser. Alors, en vue de mettre en place un système de santé dans des domaines spécifiques qui ont besoin d'attention et mettre en place un programme pour l'optimisation de ce système. Ce qui est le plus important dans tout cela, c'est-à-dire l'analyse des données est très importante pour l'amélioration du système de gestion des données. Cela nous permet d'aller plus rapide, parce que des fois, la collecte des données traîne un peu et cela ne nous permet pas d'analyser cela de plus rapide. Alors, donc, cela nous permet d'utiliser le système et d'identifier le besoin des différents patients pour voir comment adresser une réponse rapide à leurs besoins et s'assurer également de l'implémentation de l'approche DHIS2. Et puisque nous avons eu à empiler ce système de données, nous utilisons également cela pour nous améliorer dans la transmission de nos traitements de façon de qualité et voir comment est-ce que de façon générale nous pouvons suivre les patients et également tester de nouvelles méthodes qui s'annoncent. Voici la fin de ma présentation. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Voici nos contacts, nos références, ce que c'est que le système DHIS2. Merci beaucoup. Alors, c'était vraiment une façon brillante de faire la présentation. J'ai vu l'analyse des données au niveau du site et comment est-ce que
nous pouvons faire la collecte des données et mettre en place le système d'analyse. Merci beaucoup, David. Bonjour tout le monde, bon après-midi, bonsoir, qu'importe là où vous êtes. J'interprète depuis District of Columbia à Washington. Je vais vous parler de la collecte de systèmes de données VIH par VMMC. Donc, le projet que je pilote ici, c'est à voir avec le processus de transformation des packages pour la vaccination en tour dans un logiciel de traitement de données. Donc, je travaille avec mon collègue Mohamed Salihou qui est avec nous, qui travaille aussi en tant que spécialiste. Cette session donnera des définitions, des contextes pour le projet. Pour commencer, c'est quoi VMMC? C'est en fait les effets indésirables de la circoncision médicale volontaire. Donc, ça a voir avec la circoncision médicale volontaire des hommes. Et cela est financé par le PEPFAR, qui est le programme du président américain en matière de VIH. Donc, il y a plusieurs partenaires dans ce PEPFAR et la plupart font tout pour pouvoir éliminer tout effet indésirable. Donc, quand on parle des effets indésirables, qui sont des adverse events, c'est tout problème qui peut se passer après qu'on ait procédé à la circoncision d'un homme, par exemple. Donc, ces événements sont considérés notifiables au PEPFAR si c'est financé par le programme PEPFAR. Donc, si vous avez des problèmes, après, vous devez revenir au PEPFAR pour pouvoir savoir ce qui s'est passé. L'OMS a recommandé une série de vaccinations à des adolescents et à des jeunes adultes pour permettre aux jeunes femmes de pouvoir faire partie de certains programmes de vaccination. Les groupes d'âge qui cherchaient à être circoncis aussi venaient et ceux qui avaient besoin d'autres soins venaient aussi auprès du PEPFAR pour qu'on puisse mettre un plan sur pied et les suivre. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des effets indésirables après les vaccinations et donc l'OMS, PEPFAR et d'autres organismes se sont mis ensemble pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir résoudre les problèmes qui surgissent après les vaccinations. Cependant, l'implémentation de DHIS2 a aidé à pouvoir bien gérer les effets indésirables qui sont reportés. Comme vous pouvez voir ici, nous avons essayé de traquer ces événements. C'était assez complexe au départ pour nous parce que nous n'avions pas DHIS2, parce qu'il fallait séparer ces informations-là des autres systèmes. Donc, il y a un prototype que nous avions qui s'appelle Datim, qui nous a beaucoup aidé au départ. Donc, la première question avec le reporting, c'est ce que nous pouvons faire premièrement. Nous dirigeons dans les informations dans DHIS2, qui est notre source de collecte d'informations source. Donc, après, nous mettons cela dans le logiciel BIO qui nous permet de mettre ça en version PDF. Et si vous n'êtes pas habitué à l'utilisation de notre application, nous permettons de pouvoir repartir directement dans DHIS2 pour pouvoir enregistrer les informations. Donc, nous avons présenté des démos de notre application pour permettre à tout le monde de pouvoir voir comment suivre le processus. Cependant, on avait besoin de la fonctionnalité des DHIS2 qui n'avait pas beaucoup de personnalisation pour pouvoir gérer ce dont il est question avec nous. Au même moment,
il faut rappeler que DHIS2 et l'OMS ont mis en place un package standard pour gérer les manifestations post-vaccinales et indésirables. Donc, cela nous a permis de pouvoir nous appuyer sur les fonctionnalités des DHIS2 pour pouvoir faciliter et accélérer notre processus. Donc, on ne pouvait pas développer un programme à partir de rien. Donc, nous avions besoin d'une phase de découverte des exigences longues et courtes. Notre équipe a pu réaliser rapidement le prototype de module VMMC-NAE pour des mises à jour longitudinales au fur et à mesure que les informations sur les informations sont étudiées. Donc, nous donnons aussi des systèmes automatiques qui gèrent les emails pour pouvoir étudier, collecter et communiquer les informations. Donc, nous utilisons le même logiciel pour pouvoir suivre les informations. Aussi, les partenaires avaient déjà les informations. Ensuite, les données sont collectées directement dans notre base de données pour qu'on puisse les étudier dans le tableau de bord dynamique. Donc, voici notre exemple de VMMC. Les utilisateurs vont enregistrer en commençant par la date de départ du processus. Vous pouvez voir maintenant que c'est des données sensibles. Donc, nous avons tout fait pour ne pas pour mettre ces identifiants sous l'anonymat. Ensuite, après, nous mettons les dates pertinentes pour chaque événement pour s'assurer que les utilisateurs puissent enregistrer les données comme cela se doit. Ce qui est sûr, nous ne mettons pas des informations personnelles qui permettent d'identifier les personnes. À travers ce processus, nous avons trouvé comme les PII pour pouvoir aider les personnes qui enregistraient les données. Comme vous pouvez voir ici, voici un exemple d'analyse de données à partir de notre application de reporting. Donc, nous voyons ici les événements qui ont été rapportés selon l'âge, comme vous pouvez voir sur ce tableau dynamique qui est ici devant nous. Les tableaux de bord peuvent être partagés, comme vous le savez tous, donc cela nous facilite la tâche pour communiquer entre nous et même c'était très bien, très agréable pour les clients. Pour conclure, les packages de métadonnées étaient un moyen sûr pour pouvoir adapter DHIS2 aux métadonnées pour pouvoir faire une implémentation réelle et sauvegarder les ressources. Vu la vitesse dont on avait besoin de traiter certaines situations, nous sommes basés sur DHIS2 pour pouvoir trouver des solutions assez rapidement grâce à l'analyse des métadonnées DHIS2. Compte tenu du succès rencontré dans ce domaine, le PEPFA envisage d'appliquer le même modèle de prototypage rapide à d'autres manifestations post-vaccinales indésirables déclarées comme le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur la comité de pratique. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci, David. C'était un exemple très pratique de l'approche des métadonnées et comment est-ce que cela marche chez vous. Maintenant, je vais donner la parole à Denis Mwemza qui va nous expliquer comment est-ce qu'eux, ils ont enregistré leurs indicateurs. Merci, Victoria. Est-ce que tu peux me confirmer que tu vois mes diapos? OK. Merci tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler du développement d'un OVC harmonisé pour les MIS en utilisant un tracker DHIS2. Je m'appelle Denis Mwanza et je travaille dans le secteur des données et j'ai mes co-présentateurs Sarah Mena et Mohamed Salihu qui m'ont aussi beaucoup aidé dans la rédaction de cet exposé.
Donc, Data FI est un projet global de, qui a été mis sur pied par USAID pour pouvoir s'occuper des problèmes de VIH et ça a travaillé à travers plusieurs groupes de population pour pouvoir intervenir en matière de VIH. Donc, durant les années, tout au long des années, nous avons soutenu 14 pays, notamment le Zimbabwe, pour pouvoir développer un système de gestion des informations sanitaires. Donc, DataFI est dirigé par un Palladium et des partenaires ressources, de même que des systèmes pour pouvoir consolider en quelque sorte les systèmes individuels pour les mettre dans le tracker des HIS2. Donc aujourd'hui, nous sommes à la dernière étape. Donc pourquoi développer un MIS harmonisé? Donc avec plus de 150 000 bénéficiaires dans des IP, dans différents IP qui travaillent avec les organisations et chaque implémenteur a différents systèmes de gestion des informations. Donc, cela nous fait comprendre que il y a une petite différence dans la définition des services qui sont proposés, qui nous permettent de pouvoir s'assurer de la fiabilité des données. Donc, les données sont soumises sur format Excel, sur une base mensuelle, et ensuite, on les met sous forme de format pour... Et cela faisait qu'on avait beaucoup de retard. En termes de spécification, ce système était mis en place pour pouvoir faire le reporting des indicateurs de PEPFAR sur la gestion efficace des différents cas. Donc, ça aidait à soutenir les enfants vulnérables et les orphelins. Donc, c'est notre objectif. MediHS2 nous a alors aidé à pouvoir bien atteindre nos objectifs. Donc, nous avons collecté les données. Les données devaient être attribuées aux communautés, aux organisations dans lesquelles elles se trouvaient. Ces indicateurs clés devaient être bien catégorisés en fonction de l'âge, du sexe, durant une période de 6 mois. Et en plus de ces indicateurs que nous venons de citer, nous avons des données spécifiques pour le Zimbabwe en particulier. En ce qui concerne les difficultés d'implémentation, nous avons exploré certains comme l'identification des bénéficiaires actifs et pouvoir comment est-ce que les bénéficiaires n'ont pas reçu les services requis que nous considérons actifs. Un autre, c'est les indicateurs cumulatif en fonction des temps et aussi il y avait la visualisation des résultats de suivi de PEPFAR. Pour débuter en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires actifs, PEPFAR a mis des guides en place pour déterminer qui a bénéficié de quoi. Donc, il y a le plan de gestion des cas courants après la visite des foyers et aussi la qualification des services. Donc, vous voyez les informations sur les bénéficiaires, les 3 premières barres désignent les sous-critères et le dernier, ça a à voir avec ceux qui ont besoin du service actif. Donc, cela ne peut pas être plus élevé que la combinaison des 3 premières. Donc, ces indicateurs dont nous avons parlé plus tôt devaient être désagrégés en âge, groupe et être cumulés à nouveau. Donc ici, nous voyons des exemples des statistiques d'indicateurs de VIH. Et ce que nous pouvons vous dire ici, c'est que les statuts de VIH sont collectés, filtrés selon les individus qui ont ce statut actif. So moving on to
Maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous identifions ces enfants ou orphelins qui n'ont pas reçu le système dont il est question. Ce que nous savons, c'est que c'est l'identification de ces enfants a toujours été faite sur des données requises qu'on a eues dans le passé. Donc, on a dû faire un suivi pour pouvoir éviter l'interruption de la gestion d'un cas. Donc, il y avait beaucoup de bénéficiaires qui n'étaient ni actifs ni perdus dans le suivi. Donc, nous voyons en quelque sorte les descriptions des critères utilisés pour pouvoir identifier les bénéficiaires actifs. Donc, voilà le processus par lequel on passe pour enlever certaines sous-catégories pour avoir en fait les individus qui sont considérés inactifs. Ici, nous voyons un aperçu des actions qui ont été menées sur une base journalière, des fois deux jours, trois jours. Ici, à côté, à gauche, à droite, pardon, vous voyez les indicateurs de PEPFAR. Il y a une composante d'une plus grande composante qui est la troisième composante en bas. En jetant un coup d'œil à comment accumuler les indicateurs pour avoir les différents types de dimensions, nous avons deux indicateurs. Le premier, c'est le point in time, comme nous on l'appelle. Certains de ces indicateurs ont pour but de pouvoir capturer les statuts bénéficiaires à la fin d'une période de reporting. Et ces enfants ne pouvaient pas être enregistrés sur plusieurs périodes parce que les enfants seront dupliqués. Donc, on le fait une fois. Donc, nous avions besoin de déterminer leur statut durant le premier trimestre, ou le premier trimestre ou le deuxième trimestre, pour savoir s'il faut continuer le suivi dont il est question. Et aussi, un indicateur type, c'est le cumulative count, où le statut de bénéficiaire peut être fait selon diverses périodes de reporting. Ici, nous avons les cinq indicateurs de reporting au PEPFAR. Et parmi ces cinq, nous avons deux qui sont dans la catégorie point in time et l'autre trois dans la catégorie cumulative. Donc, comme on mentionne ces indicateurs, il faut évaluer les statuts sur le site dans les trimestres dont il est question au lieu de le faire sur la base de semestre. Le grand indicateur, c'est le fait de mesurer qui ne sont plus éligibles après un certain temps. Donc, on essaie de cumuler les deux versions de point in time et puis les trois autres paramètres qui sont nommés cumulatifs pour pouvoir déterminer qui sont légitimes pour le suivi du programme. La dernière difficulté, c'est la visualisation des filtres sur un plan de données agrégées. Dans le module tracker amène des indicateurs longitudinaux et ces derniers sont mieux visualisés selon l'hiérarchie des normes. Donc, vous voyez un exemple des données ici qui est séparé par province et c'est bien plus facile avec le tracker DHIS2. Cependant, ce n'est pas évident d'avoir les mêmes données ou de catégoriser encore les mêmes données par sexe, âge avec notre ancien système. Ici, c'est une capture d'écran de toute la logique, la logistique qui est produite par PEPFAR et les partenaires. Nos équipes techniques ont créé un processus d'intégration de trackers agrégés. Donc, il
chaque indicateur qui a été créé comme données agrégées avec une combinaison de catégories appropriées comme la désagrégation de sexe, du sexe et de l'âge comme paramètre et assigner des données pour les sous-partenaires. Donc, nous avions besoin de 768 indicateurs de programme et pour chaque indicateur désigné. Une solution pour nous, c'était de sortir les données de l'indicateur de carte pour les mettre dans l'élément de données agrégées en utilisant Output ID Scheme pour les attributs sur une base journalière. Alors, les solutions, c'est qu'avec DHS2, on peut voir les données avec les différents partenaires. Et ici, vous pouvez voir un tableau où les résultats sont présentés par CBO, qui est par enfant, et aussi par les critères d'âge et de sexe directement. Voici encore une autre aperçu qui montre les catégories et les différentes variables dont il est question. Donc, pour nos réflexions, on essaie de créer un système harmonisé qui permet d'avoir des indicateurs standards pour contribuer à l'amélioration des données fiables. Ensuite, on a aussi traquer les données pour les bénéficiaires à travers le temps, pour avoir un avis en temps réel de ce qui se passe sur le terrain. Cependant, la complexité du reporting de PEPFAR a besoin de beaucoup de configurations d'espère et beaucoup d'encodage back-end. Merci. J'espère que les gens ont pu comprendre parce que c'est des domaines un peu très piégeux. Maintenant, nous allons aller à notre troisième présentateur. Je vais laisser la parole au prochain. Nani, I think you are on mute still. I can see your screen, but I cannot hear you. Is it just me? Right. Now here. Now here. Now, yeah, thanks. Here. I hope you are able to see my screen. Yes. Go ahead. Thank you. All right. Thank you so much. Good morning, good afternoon, and good evening, just depending on the different places that we are attending this meeting from. So I am Neni Lungu, the Senior Technical Advisor for the Malawi Empower activity. And I would also want to recognize the co-authors towards the submission, as well as the drafting of the abstract that we submitted to this DHS2 annual conference. And let me also recognize the presence of these co-authors who are within us on this group. And we have Linda Nyondo, who is our SI regional director. And we also have Matthew Kankulungo, who is our database, as well as HMIS manager. And Dr. Boniface Maket, who is the chief of party, as well as Yona Nyondo, who is our senior M&D officer. And I'll be presenting on the optimizing the digital data collection using the DHS2 in addressing girls and young women programming. And this is a case of the Malawi Empower activity. So in terms of the flow of the presentation, first we're going to look at the background information. And then we're also going to look at the processes that we actually undertook to make sure that we have the DHS2 track in place. Then we're going to also unearth the key findings. Then I'll actually conclude by sharing a conclusion statement. So in terms of the background,
So Malawi Empower is an acronym standing for Expanding Malawi HIV and AIDS Prevention with a local organization working for an effective epidemic response. So this is a USAID 5-year funded project, which began on the 5th of March, 2020, and it's expected to phase out on the 4th of March, 2025. So the overall goal of the project is to support government of Malawi commitment to epidemic control by stopping HIV transmission and preventing new infections among adolescent girls and young women aged between 10 to 24 years. And the activity is actually being implemented in the two districts of Malawi. And these are the districts in the southern region of Malawi, looking at the HIV prevalence in the two districts. And these are the DREAMS districts, and they include Zomba as well as the Machinga district. The project is actually being implemented through two local implementing partners who include the Christian Health Association of Malawi, commonly known as CHAM, as well as Pagajere Institute for Development, as well as Institute for Development and Communication. So the next to the slide, we are actually seeing a snapshot in terms of the two implementing DREAMS districts targeting the adolescent girls and the young women. So the Malawi Empower activity is actually a large scale multifaceted program that provides sexual as well as reproductive health services to more than 40,000 adolescent girls and young women across the two districts of Machinga as well as the Zomba districts. And the project actually used the DHIS tool to ensure the availability of high quality data. So in terms of the limitations that were there at the inception of the project, one that we actually one challenge that we actually experienced as a project was on the volume of the adolescent girls and young women data that we're supposed to collect as a project, like I mentioned, that we are actually tracking over 40,000 adolescent girls and young women with the different SRH as well as the HIV services. Therefore, this actually also initiated us to make sure that there is the real-time data collection concept, whereby data was being collected at different time points as well as at different places. However, considering that the project is located in the two districts, of which some of the facilities are located in the rural areas of the two districts, we had actually also encountered intermittent as well as limited internet connectivity across the two facilities that we're working with in the two districts. In the same vein, we also had experienced data entry cost, especially paying for data to actually be transported, to be transformed from the paper-based into the electronic management system, as well as cost in the purchases for computers to make sure that the data is actually keyed in and also that it can actually be used for rigorous data analysis. So now the question that we actually might be asking ourselves is, then what was the process? How did we do it as a Malawi Empower activity? So the process began somewhere around in June 2020, whereby we developed a data set using the DHIS2 tracker, which was actually running on the version 2.33.8, and this was actually capturing the longitudinal data for SRH as well as HIV services that are provided to the adolescent girls and young women during the monthly community outreach meetings that we are actually conducting as a project. And then the DHIS2 tracker actually
was able to collect individual level data, and it runs both on the computer as well as on Android devices for offline data capture. So we actually purchased Android devices for our data entry team so that they can actually be using to actually capture data into the shared database. At the same time, we also made sure that we actually build the capacity of both the strategic information team members, who include the M&D assistants, and also not building only the SI team capacity, but we also made sure that all other program staff are also trained of how the tracker was actually performing. Similarly, we have actually also been able to develop standard operating procedures that can actually be used as aid documents to make sure that they assist in the day-to-day running as well as operationalizing of the DHIS2 tracker database. So currently the tracker is actually deployed to capture individual level data at about 40 community outage sites. And we are actually capturing data for over 40,000 adolescent girls and young women on a monthly basis. And in terms of the services that are actually captured within the tracker, we are actually collecting HIV testing data, STI screening data, as well as family planning methods that are actually provided to the adolescent girls and young women. And this is in addition to the sexual and reproductive health talks that are provided to the adolescent girls and young women at outreach sites. Now, what has actually been the key findings or key successes that we have actually seen following the development of the tracker? One, we can actually summarize our key findings into three. One is on the data merging. So using the tracker, we collected the data at multiple sites, and the DHIS2 tracker has actually allowed us for instant messaging, merging of longitudinal records, unlike other routine statistical softwares where the process was actually taking us more than a week to complete the merging process. So we have actually been able to save time in as far as the instant merging of the records is concerned. In addition to the instant merging, we have actually also seen improved data quality following the automated skip patterns that were embedded within the tracker. We have actually been able to make sure that all our data is actually complete, as well as make sure that it actually conforms to the other data quality dimensions, including that of data accuracy. Lastly, we have actually also been able to minimize on costs, because using the DHIS2 tracker, we have actually been able to save over $10,000 by purchasing tablets instead of computers as they were previously needed. And also the tracker has also enabled the project to develop analytical dashboards to perform, to track performance, as well as aiding in improving programming. So this snapshot just actually shows some of the dashboards that have actually been developed within the Malawi Empower DHIS2 tracker. Lastly, allow me to actually conclude by saying that through the use of the DHIS2 tracker and the application for longitudinal data collection for the community outreach programs, we have actually been able to collect large data, and this has actually helped us to make sure that we capture the data at different delivery points, as well as merging instant data to inform programming. And this has actually helped us as well to make sure that the concept of real-time data entry is actually achieved, and also making sure that we have actually reduced cost, and we can actually be able to scale up the activity.
At this moment, let me stop there and thank you so much for your attention. Over. Thank you so much, Nani. That was a great overview of like such a great implementation. This is it. Our time is up, unfortunately. I hope you enjoyed and you find some of the information that we brought to you today useful enough, or at least as a starting point for some problems that you had as well. So if you want, you can continue the discussions and follow up with the presenters in the community practice. And yes, the recording will be available soon. Thank you so much for today, and I hope you enjoy the remaining day, part of the day.